Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence. On est très heureuse avec ma collègue Joanne Ruiz, qui est sage-femme à la maternité d'assister, afin de présenter cette conférence sur le postpartum. Donc on remercie la librairie Mola de permettre ces temps d'échange avec soignants et grand public, et évidemment aussi le service de communication du CHU, dont Madame Perret pour l'organisation. Donc moi, je suis obstétricienne au CHU de Bordeaux et j'effectue également une thèse d'épidémiologie sur cette thématique du postpartum et notamment de l'altération de la santé mentale. Donc je suis très heureuse d'en parler ici ce soir. Donc c'est pas évident d'aborder ce sujet puisque c'est un sujet qui est très vaste avec des dimensions qui sont multiples. Donc on a demandé à des soignants d'en parler. Donc on va évidemment vous parler des considérations médicales, mais on sait bien qu'on peut pas résumer le postpartum simplement à ces considérations, puisque ça s'intègre dans plein d'autres dimensions, notamment des dimensions sociétales. Donc on va essayer de faire notre mieux pour balayer un peu le sujet. Donc le postpartum, c'est une période qui est très importante, qui va clore toute l'aventure de la grossesse, mais qui en même temps est le début d'une autre aventure, probablement encore plus grande, celle de la parentalité au sens large. Donc c'est vraiment une période charnière et qui est très importante. Donc c'est bien qu'on puisse en parler aujourd'hui. Alors, si on s'intéresse aux définitions, donc dans un premier temps, si on prend que les considérations médicales, c'est assez facile de définir le postpartum. Étymologiquement, c'est la période qui suit en fait l'accouchement. Donc, ça va être toute la période qui s'étend de l'accouchement avec la sortie du placenta au retour de couche. Donc, c'est la réapparition des règles. Donc, c'est une définition assez simple. On peut définir une durée aussi assez facilement. C'est jusqu'au retour des règles. Donc, c'est entre 6 à 8 semaines en fonction des femmes, en fonction du type de contraception ou non choisi, en fonction du type d'allaitement, mais c'est quand même globalement assez facile de définir une durée. Idem, c'est assez facile de définir un succès, de définir un postpartum réussi sur le plan médical, puisqu'a priori, c'est un postpartum sans complications médicales. Mais il y a plein d'autres dimensions donc à prendre en compte, des dimensions sociétales, psychologique, intrafamilial, corporel. Et donc là, il y a d'autres définitions qui peuvent apparaître. Par exemple, est-ce que le postpartum, eh bien, c'est la période qui s'étend jusqu'à la récupération du corps, jusqu'à l'acquisition d'une parentalité, d'un bien-être physiologique? Est-ce que c'est la reprise du travail, l'autonomie de l'enfant, l'établissement d'un bon fonctionnement intrafamilial, la reprise d'une sexualité ou l'établissement d'un lien parent-enfant de bonne qualité? Donc ça, c'est plein de définitions différentes. Et donc à partir de là, c'est très difficile déjà de déterminer une durée. Le postpartum, est-ce que ça dure une semaine, un mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Et encore plus de définir ce qu'est un postpartum réussi si on prend en compte toutes ces dimensions. Et donc, si on reste sur un plan de vue très médical, eh bien, finalement, le postpartum, ça commence en salle d'accouchement, après la naissance de l'enfant, après la délivrance du placenta. Et donc, classiquement, on surveille les femmes qui viennent d'accoucher pendant 2 heures en salle de naissance. Et on va s'intéresser à certains indicateurs médicaux, certaines complications. Donc, par exemple, les complications hémorragiques. Il y a une femme sur 10 après son accouchement qui va saigner plus de 500 ml de sang. C'est ce qui définit l'hémorragie du postpartum. Et ça, c'est la première cause de morbidité sévère et de morbidité maternelle dans le monde. C'est 8% des décès en France, donc c'est des complications qui peuvent être sévères, mais qui, heureusement, dans la majorité des cas, s'arrêtent à des stades non sévères, et c'est des complications qu'on a l'habitude de gérer dans les maternités, qui nécessitent d'être actifs rapidement, mais on a l'habitude de ça, et c'est ce qui justifie cette surveillance un peu intensive en salle de naissance après l'accouchement. Il y a également les complications infectieuses, donc là, qu'on va plutôt surveiller sur les premiers jours. Alors, ce n'est pas un problème majeur en France, mais néanmoins, ça peut toucher quand même à peu près 5% des patientes. Mais ça reste un problème majeur de mortalité maternelle dans les pays en voie de développement. Et donc, c'est constitué par l'endométrie du postpartum. En fait, c'est l'infection des voies génitales après l'accouchement. Et donc, ça peut aussi potentiellement être très sévère. On va également surveiller les complications qu'on appelle thromboemboliques après la naissance. Il faut savoir qu'une femme enceinte, elle a des facteurs de coagulation qui font qu'elle a un état de hypercoagulabilité, c'est-à-dire qu'elle va plus facilement faire des caillots de sang dans les veines. Et ça, c'est encore plus marqué en postpartum. C'est à peu près un risque 20 fois supérieur par rapport à la population générale. Et ensuite, on va également surveiller d'autres complications, les complications urodigestives. Quelques semaines après l'accouchement, on estime qu'il y a à peu près une femme sur 5 qui va avoir des troubles d'incontinence urinaire, d'incontinence au sel, etc. Donc on va surveiller tout ça.
Les complications psychologiques, on va y revenir plus loin, mais évidemment, c'est un problème qui est très important. Et les complications périnéales, évidemment, après déchirure sévère lors de l'accouchement. Donc, d'un point de vue médical, c'est plutôt facile de définir un postpartum réussi. Finalement, c'est une femme et un couple qui va rentrer à la maison après une durée standard d'hospitalisation, 3-4 jours après un accouchement par voie basse, 4-6 jours après une césarienne, et qui va avoir tous les critères pour pouvoir rentrer à la maison. Donc, pas de vulnérabilité particulière, une patiente qui n'a pas saigné de manière excessive, qui n'a pas de complications infectieuses en cours, pas de signes thromboemboliques, une douleur qui est contrôlée, etc. Et donc, c'est un postpartum qui réussit, en tout cas sur le point de vue médical, une patiente qui va pouvoir rentrer à la maison. Mais évidemment, dans les maternités, on ne se simplifie pas à cette classification. Et donc, finalement, de nos jours, c'est quoi un postpartum réussi dans notre société ? Eh bien, même si pour une majorité de femmes, eh bien, ça reste un événement de vie heureux, avec l'accueil d'un nouveau-né au sein d'un couple, etc., qu'on a le plaisir d'accompagner, avec des interactions de bonne qualité avec le nouveau-né, avec un allaitement maternel ou artificiel qui se passe bien, avec un bon fonctionnement intrafamilial, avec par exemple aussi un 6e titre mondial pour la judokate française 10 mois après son accouchement, ça peut aussi... On peut y avoir des femmes qui sont davantage en difficulté, et donc notre rôle, c'est de savoir les identifier et de les accompagner. Et donc finalement, il faut repenser l'idée qu'être parent, même après un accouchement qu'on dit physiologique, c'est-à-dire un accouchement qui s'est a priori bien passé, eh bien, n'est que du bonheur. Et on observe que l'invisibilité du postpartum qui était jusque-là présent commence un peu à se lever. Il y a des problématiques qui émergent, notamment les problématiques psychologiques, le vécu de l'accouchement, les modifications de l'image corporelle, les fonctionnements intrafamiliaux, la parentalité, etc. Et de plus, on prend aussi conscience de plus en plus que l'accouchement sans complications vu par le soignant, c'est pas forcément un accouchement réussi par le couple. C'est-à-dire une femme qui va pouvoir donner naissance à son enfant par voie basse avec un nouveau-né qui va bien, eh bien finalement, on a peut-être loupé aussi certains indicateurs médicaux, certains événements qui font que le vécu il a été altéré pour le couple. Et donc, il faut inciter les soignants à interroger les femmes et les parents sur leur vécu en postpartum. Et en fait, le vécu de l'accouchement, de la grossesse, ça devient une préoccupation majeure qui est assez centrale. Et jusque-là, dans la littérature médicale, on se concentrait beaucoup sur la morbidité maternelle et du nouveau-né, c'est-à-dire on regardait si la femme avait accouché par voie basse, si elle n'avait pas saigné, si elle allait bien, et si le nouveau-né allait bien à la naissance, puis on s'arrêtait un peu là. Et là, depuis les dernières... années, eh bien, on s'intéresse de plus en plus à cette entité du vécu de l'accouchement. Et donc, ça, c'est important de faire passer le message pour que ça puisse s'implémenter dans les maternités. Et donc, le postpartum réussi, ça doit prendre en compte des indicateurs multiples, et notamment le vécu. Et c'est très intéressant de voir que ça a été fait là, très récemment dans l'enquête nationale périnatale. Donc, c'est une grande enquête qui est menée tous les 5 ans à peu près. Ça fait 30 ans que ça existe. C'est sous la direction de l'équipe Épopée, qui est une équipe d'épidémiologie périnatale à Paris. Et donc, ils mènent des grandes enquêtes qui permettent d'avoir des indicateurs sur l'état de santé des femmes, des nouveau-nés, les facteurs de risque périnataux, les contextes psychosociaux dans lesquels les grossesses s'intègrent, et de guider un peu les politiques de prévention pendant la grossesse et le postpartum. Et donc là, c'est nouveau. En 2021, c'est la dernière. Eh bien, il y a un nouveau volet. C'est le volet du suivi des femmes et des nouveau-nés à 2 mois qui ont permis d'interroger en fait, sur leur vécu et l'état de santé des nouveau-nés, etc. Et donc cette enquête, elle est très intéressante. Je vous invite à la lire puisque c'est accessible aussi au grand public. Il y a des résumés. C'est un échantillon en population, c'est-à-dire tous les 4-5 ans, toutes les femmes qui accouchent en France dans toutes les maternités. Donc c'est vraiment quasiment exhaustif, il y a même des maisons de santé aussi qui sont incluses dedans, eh bien, on va recueillir toutes les données de ce qui se passe, les indicateurs préexistants, les données de la grossesse, de l'accouchement, etc. Et donc là, ça a concerné sur un échantillon de plus de 13 000 naissances. Et donc, c'est intéressant puisqu'on va avoir plein d'informations. Par exemple, des indicateurs sur les caractéristiques préexistantes des femmes avant leur grossesse. Donc, on observe par exemple que l'âge maternel va en augmentant au cours des dernières années. Il y a une femme sur 4 qui a plus de 35 ans pendant sa grossesse. L'obésité aussi avant la grossesse augmente. On est à 15% en 2021. Les conditions socio-économiques, etc., aussi varient. C'est intéressant de voir qu'il y a une grossesse sur 10 qui a lieu sous contraception et qu'à l'inverse, 7% des femmes ont eu un recours à un traitement de l'infertilité pour tomber enceinte.
On a aussi des indicateurs sur les modalités d'accouchement. Donc on voit que, par exemple, le taux de césarienne, ça c'est plutôt bien et stable sur les dernières années, et que toutes les interventions médicales qui peuvent servir à accélérer le travail, c'est-à-dire une fois que la patiente est en travail, que la dilatation avance, eh bien on a diminué les interventions médicales qui permettaient de l'accélérer quand on n'a pas besoin. Donc on voit qu'on a diminué le recours à la rupture artificielle des membranes en cas de travail spontané, la diminution de perfusion d'ocytocine, qui est une hormone qui permet de donner des contractions. Donc il y a quand même une tendance à la démédicalisation de l'accouchement quand tout va bien. Et on voit aussi, heureusement, que le taux d'épisiotomie a largement chuté les dernières années. On est passé d'une politique très libérale de l'épisiotomie à une politique restrictive, et c'est tant mieux, puisque les recommandations maintenant, c'est que ça doit être au cas par cas. Et donc la nouveauté depuis 2021, c'est que maintenant on a des indicateurs sur la satisfaction des femmes. Donc attention, c'était en mars 2021, donc on était quand même dans une période Covid assez marquée, donc ça a pu quand même un peu modifier ces indicateurs-là, mais c'est tout de même pas mal, puisqu'il y avait 70% des femmes qui s'estimaient heureuses d'être enceintes. Et à 2 mois, une large majorité avait un bon vécu, 85% avaient un bon vécu de leur grossesse, 90% quasiment un bon vécu de leur accouchement, et 90%, à nouveau, 9 femmes sur 10 étaient très satisfaites ou très satisfaites de leur prise en charge médicale pendant leur grossesse et leur accouchement. Et donc, quand on s'intéresse à l'altération de la santé mentale en postpartum, il faut prendre en compte cette notion du vécu. On sait que le vécu de l'accouchement, il est multifactoriel, donc il va vraiment falloir s'adapter au cas par cas à tous les couples qu'on va rencontrer. Et on sait que le vécu, il peut être influencé par des caractéristiques préexistantes. Par exemple, les antécédents obstétricaux, est-ce que c'est la première, deuxième, troisième grossesse, et qu'il y a déjà eu une césarienne, est-ce qu'il y a déjà eu la perte d'un bébé, comment s'est déroulée la grossesse, est-ce qu'il y a eu des hospitalisations. Est-ce que l'accouchement a été déclenché? En fait, tout ce qui fait que la patiente va avoir une altération entre ce qu'elle pouvait imaginer et ce qui s'est réellement passé au cours de la grossesse et de l'accouchement, et en postpartum également. Par exemple, on s'intéresse de plus en plus à l'anémie, c'est quand il y a un taux de globules rouges qui est insuffisant dans le sang, on sait que ça peut faire le nid des altérations psychologiques sur les semaines qui suivent. Donc on s'intéresse de plus en plus à ça, justement pour améliorer ce vécu. Et donc, de quoi on parle quand on parle de santé mentale maternelle? Eh bien, il faut savoir que les troubles psychiques, ça fait partie des pathologies qui sont vraiment fréquemment rencontrées en postpartum. À peu près une femme sur 5 va avoir des troubles de cet ordre. Évidemment, on sait que la grossesse, c'est un événement majeur dans une vie qui s'accompagne de bouleversements sur le plan psychologique, social, somatique. Et donc, le vécu va être très variable et peut possiblement altérer la santé mentale en postpartum. Donc, évidemment, la dépression du postpartum, c'est un des troubles les plus rencontrés, dont on parle de plus en plus, et c'est très bien, estimé à peu près à 15% d'après les dernières enquêtes, dans les semaines qui suivent l'accouchement, et l'état stress post-traumatique, on va le voir un peu plus loin. Et donc, dans l'enquête nationale périnatale, ils ont aussi interrogé les femmes à ce sujet, et il y a une femme sur 10 qui a consulté pour des difficultés psychologiques pendant sa grossesse. Quelles sont les conséquences de ces troubles mentaux? Eh bien, évidemment, pour l'enfant, ça a été montré largement. Il y a un impact négatif sur le fonctionnement relationnel avec la mère, et ça peut vraiment perturber les interactions et le lien mère-enfant, et peut induire des troubles du développement émotionnel, cognitif et social de l'enfant. Évidemment, on imagine bien les conséquences pour le couple et les liens intrafamiliaux. Et pour la mère, eh bien, un des messages clés, c'est que le suicide maternel, c'est la première cause de décès la première année du postpartum. Ça, c'est des chiffres de l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles. C'est pareil, c'est des enquêtes qui sont faites régulièrement, qui permettent de recenser tous les décès liés à la grossesse. Donc, quand on parle de décès liés à la grossesse, on parle à partir du moment de la conception jusqu'à 1 an après l'accouchement. Et donc, quand on regarde toutes les causes qui ont été recensées, évidemment, il y a les pathologies cardiovasculaires, l'embolie amniotique, les hémorragies, etc. Mais quand on se place à 1 an, c'est le suicide qui est la première cause de décès maternel. Et ça a été révélé à partir du moment où l'OMS a considéré qu'il fallait classer les suicides maternels jusqu'à 1 an après l'accouchement comme étant reliés à la grossesse. Évidemment, c'est difficile de croire qu'une femme qui souhaite mettre fin à ses jours l'année après la naissance de son enfant, que ce ne puisse pas être lié à cet événement. Donc ça représente quand même 13% de l'ensemble maternel. Et dans ces enquêtes aussi, ils se réunissent avec plusieurs professionnels et ils estiment... Ils essayent de voir si ces décès ils sont évitables, comment on aurait pu les éviter, etc. Et donc là, dans la majorité des cas, ces décès ils étaient potentiellement évitables, puisqu'il y a eu des défauts d'interaction de soins, par exemple. Et donc, c'est des pistes d'amélioration.
Donc la dépression du postpartum, on en a déjà parlé un petit peu. Donc 15% des femmes, 2 mois après leur accouchement, ou les quelques semaines, les quelques mois, vont souffrir de ce trouble. La présentation, elle est très hétérogène, c'est probablement sous-diagnostiqué, puisque par exemple, certains symptômes de dépression peuvent être confondus en postpartum, la fatigue par exemple. C'est difficile de déceler des fatigues excessives quand on a un nouveau-né qui se réveille plusieurs fois par nuit. Mais c'est en tout cas la symptomatologie d'un épisode dépressif après la naissance ou avant, parfois pendant la grossesse, ça peut exister aussi. L'état de stress post-traumatique aussi, on en parle quand même de plus en plus. On a admis maintenant que les femmes pouvaient développer un vrai état de stress post-traumatique après une expérience de la grossesse ou de la naissance. Mais ça, quand on disait ça il y a 15 ans, c'était pas du tout admis par la médecine, les psychiatres, etc., puisqu'on disait, ben, finalement, non, c'est des femmes qu'on a accouchées, mais qui n'ont pas été confrontées à des événements type guerre, attentat, violence sexuelle, etc. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir un véritable état de stress post-traumatique. Et pourtant, certaines femmes vont décrire une peur intense, une détresse, une sensation de menace à leur intégrité physique pendant la grossesse ou l'accouchement, même si l'accouchement a été vécu, a été considéré comme non compliqué par l'équipe soignante. Donc ça, c'est important de prendre en compte ces symptômes et donc de lever le voile un peu là-dessus, sur cette pathologie. Et c'est intéressant de voir que c'est quelque chose quand même d'assez récent qu'on reconnaît depuis peu de temps, puisque quand on recherche sur les moteurs de publication médicale, si par exemple on regarde l'association entre l'hémorragie après la naissance et la survenue de troubles psychologiques, on voit que dans les années 2000-2010, on disait impact émotionnel, impact psychologique, expérience, et ça fait que quelques années qu'on étiquette vraiment ces pathologies en disant que oui, les femmes qui ont saigné après leur accouchement, même si ça s'est résolu finalement pour les soignants, elles peuvent véritablement avoir des symptômes de stress post-traumatique. Et donc, tout ça pour dire finalement que le postpartum a des enjeux qui sont multiples. Et donc, un des défis, par exemple, au CHU de Bordeaux, ça va être d'accompagner les femmes qui ont des pathologies, mais aussi les femmes qui n'en ont pas, dans une structure qui effectue plus de 6000 naissances par an. Et donc, ça passe par des multiples ressources humaines, donc obstétriciens, sages-femmes, pédiatres, anesthésistes, médecins généralistes, auxiliaires de puériculture, infirmières, aides-soignants, psychologues, psychiatres, diététiciennes, kinés, etc. Et donc, l'objectif, ça va être un accompagnement complet, adapté aux femmes, aux futurs parents, aux couples et aux familles. On va essayer de prendre en charge les vulnérabilités pendant la grossesse, par exemple les addictions, à l'alcool, au tabac, les vulnérabilités du fait de violence. Quand on rencontre une femme pour la première fois en consultation, on pose toujours la question, est-ce que vous avez déjà été victime de violences sexuelles ou psychologiques, ou est-ce que vous vous sentez en sécurité avec votre partenaire, par exemple. Et le but, ça va être d'essayer de favoriser donc, le lien parent-enfant et d'accompagner surtout l'entrée dans cette parentalité. Donc, on a quelques outils. Évidemment, tout ça, ça s'anticipe avant l'accouchement, donc au cours de la grossesse. Ça peut passer par des consultations qui sont répétées, où on va voir et revoir la femme, le couple, etc., les futurs parents. L'entretien prénatal précoce existe depuis 2016 également. Donc, c'est proposé. C'est une femme sur trois, à peu près, qui assiste. C'est un entretien un peu plus focalisé sur les vulnérabilités psychosociales, où on écoute les couples sur leurs attentes, leurs besoins, etc., au cours de la grossesse. On incite également aussi les futurs parents à rédiger des projets de naissance pour qu'ils se sentent impliqués lors de leur accouchement. Et puis, les soins sont explicités de nombreuses fois. Évidemment, c'est plus facile d'accepter des soins quand ils ont été bien expliqués et évidemment consentis. Les cours de préparation à la naissance aussi sont dispensés par les sages-femmes, sont très bien suivis. En tout cas, pour les premiers bébés, il y a à peu près 8 femmes sur 10 qui assistent à ces cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Et évidemment, toujours rechercher les consentements aux soins, c'est indispensable, même dans les contextes d'extrême urgence en salle de naissance. Il faut aussi un temps d'hospitalisation adapté ensuite de couche. Et ça va être en fonction des difficultés somatiques, mais également des difficultés psychologiques, des difficultés pédiatriques pour le nouveau-né, sociales, et l'évaluation de la qualité du lien parent-enfant. Et ensuite, on peut utiliser des relais avec les différents acteurs de la périnatalité. Et donc, c'est là qu'on peut ensuite faire suivre ces patientes qui sortent des maternités par les sages-femmes, les médecins généralistes, les pédiatres et les gynécologues, par exemple. Et donc, c'est important d'avoir ce suivi après l'accouchement, puisqu'on sait que c'est des périodes qui sont quand même plutôt à risque. Et donc, la visite postnatale, par exemple, est obligatoire 6 à 8 semaines après la naissance.
C'est l'occasion de revoir les couples, de débriefer un peu sur ce qui s'est passé, voir comment ça se passe avec le nouveau-né, comment se passe l'alimentation, comment se passe la santé mentale, voir s'il y avait des questions sur ce qui s'est passé, remettre les mots sur la grossesse, sur l'accouchement, etc. Donc c'est vraiment un moment qui est important, puis aussi pour anticiper éventuellement un futur projet de grossesse. Et depuis juillet 2020, c'est suite au rapport des 1000 premiers jours, eh bien, il y a un entretien postnatal précoce qui est également proposé. Donc celui-là, c'est plutôt 4 à 6 semaines et un peu plus précoce pour dépister les altérations de la santé mentale. Alors c'est une bonne chose. Après, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de dissocier les deux consultations. Enfin, quand on voit les patientes, finalement, on peut aussi s'intéresser à leur santé mentale plutôt qu'aux indicateurs somatiques. Peut faire les deux, mais en tout cas les messages, c'est de dire que c'est bien de pouvoir revoir les gens, d'avoir un temps dédié pour ça. Donc c'est plutôt bien que ce genre de consultation puisse bien se multiplier. Et donc dernière diapo pour moi avant de passer la parole à ma collègue, la place du coparent aussi en postpartum, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important de préparer aussi ce deuxième parent éventuel à une parentalité. Et donc par exemple au CHU, il existe des cours de préparation pour les papas qui sont menés par un obstétricien, pédiatre et une sage-femme. Donc ça permet, souvent c'est plutôt apprécié, ça permet aussi de préparer avec d'autres angles le deuxième parent. Et donc l'importance du soutien et de l'engagement du coparent avec les bébés a des effets qui sont positifs sur son développement, ça a été largement montré aussi. Ça diminue le risque d'épuisement psychique pour la mère, et c'est tout l'intérêt d'avoir des congés parentaux qui s'allongent. Et quand on parlait du vécu, c'est également important de prendre en compte le vécu du coparent, puisqu'on n'en parle pas encore beaucoup, mais c'est quand même aussi quelque chose d'important à prendre en compte, puisque finalement, le deuxième parent va se retrouver parfois dans des situations un peu d'impuissance, à assister à des scènes par exemple, de douleur ou des choses où il ne sait pas forcément comment aider, ou des visions que la femme ne va pas forcément avoir. Et donc, c'est important aussi de s'intéresser au vécu de ce coparent pour améliorer après la qualité des liens, etc., en postpartum. Et voilà, je laisse la parole à ma collègue. Donc moi, ma partie, elle va avoir quand même un aspect un avoir plus pratico-pratique de notre prise en charge, finalement, au CHU. Donc le séjour du postpartum après l'accouchement se fait en service de suite de couche, où on peut avoir des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture, des obstétriciens. On a aussi, nous, dans nos services, des internes de médecine générale, qui sont là toute la semaine pour voir les patientes en cas de besoin, les pédiatres aussi qui viennent. Vraiment, on a un abord pluridisciplinaire pour cette prise en charge. Dans ce service, du coup, pendant le séjour, on aura des soins quotidiens, des soins de dépistage aussi durant le séjour. On va vraiment avoir un rôle d'accompagnement à la parentalité, comme le disait Alizée, pour toute la mise en place de l'accompagnement aussi dans l'allaitement, dans les soins, dans aussi de réassurance des parents, parce que quand c'est un premier bébé, souvent, même quand c'est pas un premier bébé, ça peut être assez délicat et tout nouveau, et les parents sont un peu perdus. Et notre rôle, ça va être aussi de dépister certaines vulnérabilités et aussi d'avoir un rôle de prévention auprès des parents. Donc, comme on le disait, on a vraiment beaucoup d'acteurs qui peuvent intervenir en suite de couche. Nous, donc, les premières concernées vont vraiment être les sages-femmes et les auxiliaires de puériculture pour être au plus près des parents et des nouveau-nés. On a les obstétriciens et les médecins qui sont sur place également en cas de besoin. Les pédiatres qui viennent voir les bébés pour les examens. La PMI, donc la protection maternelle et infantile, qui intervient quand on a besoin d'un relais pour un suivi à domicile. On a les assistantes sociales aussi qui peuvent intervenir en cas de situation de vulnérabilité pour des patientes, par exemple, quand c'est des cas de demande d'asile, qu'on a beaucoup quand même, ou d'autres cas de précarité qu'on rencontre quand même au CHU. On a le réseau de psychiatrie périnatale qui est présent aussi en lien avec Charles Perrins, donc les infirmières de liaison qui viennent rencontrer les patientes dans un premier temps et qui ensuite établissent plus ou moins un lien, un relais avec les psychologues et les psychiatres. Et on a également le Lactarium de Bordeaux qui est présent sur le site de l'hôpital des enfants qui peut intervenir. Donc pour ce séjour, en fait, classiquement, de manière générale, c'est un séjour qui peut durer 3 jours pour un accouchement en voie basse, 4 jours minimum pour une césarienne, en l'absence de complications. Nous, on va faire en tant que sage-femme un examen clinique quotidien des patientes pour surveiller
tout ce qui est l'aspect, j'ai plus le mot, mais c'est pas grave, hémodynamique, chercher les cas d'anémie, d'infection ou quoi que ce soit. Les auxiliaires de puériculture sont aussi beaucoup présentes pour les soins quotidiens des nouveau-nés, donc le bain, l'échange, l'accompagnement des parents, l'examen pédiatrique, du coup, aux alentours du deuxième jour de vie. Le dépistage néonatal de l'audition, qu'on fait à tous les enfants également. Le dépistage néonatal, qu'on appelle anciennement appelé le test de Guthrie, pour dépister différentes maladies rares qu'on ne pourra pas guérir, mais auxquelles on pourra apporter des traitements mis en place assez précocement pour apporter une meilleure qualité de vie à l'enfant. Et notamment, pour ce dépistage néonatal, il y a actuellement une nouvelle étude qui est mise en place au niveau national pour apporter une nouvelle maladie, l'amyotrophie spinale, au dépistage de manière systématique. On intervient également dans l'accompagnement, dans la mise en place de l'allaitement, parce que, j'y reviendrai plus tard du coup, mais c'est important de savoir que l'allaitement parfait, ça existe rarement. Et du coup, on a aussi beaucoup d'actions de prévention concernant la sécurité du bébé, la santé environnementale, la santé maternelle également, pour dépister certaines vulnérabilités. Nous, du coup, avec tout ce séjour-là, à quel moment on va pouvoir envisager le retour à domicile? Il peut s'envisager à partir de 48 heures du postpartum, mais à certaines conditions. Donc, il y avait les contre-indications tout à l'heure au retour à la maison. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de contre-indications obstétricales pour maman. Ça peut être une hémorragie sévère, une anémie non contrôlée, une douleur non contrôlée. Il faut aussi que le nouveau-né soit sur une reprise de poids qui soit plutôt satisfaisante. Que si on a un allaitement maternel, même artificiel, parce qu'il faut savoir gérer les doses, les quantités, il faut que cet allaitement soit bien mis en place et que les parents soient à l'aise avec cet allaitement. Et on s'assure aussi du suivi à domicile, donc du relais par une sage-femme libérale ou par la PMI, par le médecin, pour aussi le suivi pédiatrique, la visite postnatale, la rééducation périnéale, qu'on conseille beaucoup aux dames, l'entretien postnatal précoce et des suivis spécifiques vraiment au cas par cas en fonction des patientes. Concernant nos actions de prévention, on délivre beaucoup de conseils aux parents pendant tout le séjour, avant le départ. On a des petites fiches qui sont mises à disposition dans les chambres ou dans le service. Vraiment, tout ce qu'on peut faire pour faire de la prévention, on le fait. Donc, concernant le syndrome du bébé secoué, par exemple, on insiste beaucoup sur le fait que ça concerne tous les parents, que ça peut arriver à tout le monde. La mort inattendue du nourrisson également. Donc, des conseils concernant le couchage de l'enfant, la santé mentale maternelle. Donc, on est vraiment dans un moment d'échange. Et souvent, c'est pas que nous, les sages-femmes, qui allons intervenir à ce moment-là, c'est aussi les auxiliaires de puériculture, puisqu'on est vraiment dans un travail en binôme, et c'est elles aussi, elles viennent nous voir pour faire un relais, pour dépister certaines vulnérabilités. Des conseils hygiéno-diététiques également, des conseils sur la santé environnementale, et pour la sortie, pour le retour à domicile pour les parents, pour les nouveau-nés. Donc là, j'ai quand même mis une partie sur la santé environnementale. Donc ça, c'est disponible pour tous les parents concernant le logement, le fait d'aérer, le fait par rapport au tabac. Si on a des parents qui consomment du tabac, de bien porter un vêtement à l'extérieur, de bien se laver les mains, d'essayer de, à distance, par exemple, d'une tétée pour une maman qui va allaiter. Concernant la chambre de bébé, la salle de bain, des produits vraiment pour l'entretien, essayer d'avoir des choses assez naturelles. Pour la chambre de bébé, voilà, de bien aérer, tout ça avant. Vraiment beaucoup de conseils sur un aspect global pour la maison en santé environnementale. Et le CHU a mis en place aussi des ateliers de santé environnementale auxquels on convie les parents avec plaisir. Donc maintenant, je vais vraiment parler, faire un petit focus sur l'allaitement, qu'il soit maternel, de façon exclusive, mixte ou artificielle. Nous, ce qui est vraiment important, ça va être le choix des parents, parce que c'est vraiment en ayant des parents en accord avec leur choix qu'on va pouvoir les accompagner au mieux. Donc, c'est vrai que l'OMS recommande l'allaitement maternel exclusif dans les 6 premiers mois de vie de l'enfant et jusqu'à la fin de la deuxième année, voire plus, avec une alimentation complémentaire appropriée. L'allaitement maternel, il présente beaucoup de bienfaits, que ce soit pour le bébé ou pour la maman. Le bébé, ça va le protéger, ça peut le protéger de certaines infections. La composition du lait, elle s'adapte en fonction des besoins nutritionnels de l'enfant. Ça le protège aussi contre certaines pathologies chroniques, digestives ou autres.
ils ont un meilleur développement neurosensoriel et ça fait aussi prévention sur certains terrains allergiques. Pour la maman, ça va avoir un effet d'amplifier les contractions utérines et donc de diminuer les saignements dans le postpartum. Ça favorise également le lien mère-enfant avec son nouveau-né et ça diminue en allaitement maternel le risque de cancer de l'ovaire et du sein. Mais nous, ce qui est vraiment important, finalement, c'est d'avoir des parents qui sont en accord avec leur allaitement, avec leur choix, parce que dans l'idée aussi de prévenir un peu tout ce qui est altération de la santé mentale, etc., c'est vrai qu'on préfère avoir une maman qui va être à l'aise avec un biberon qu'une maman pas du tout à l'aise et dont la santé mentale se détériore un petit peu avec un allaitement maternel qu'elle a du mal à mettre en place et qui ne lui satisfait pas. On a donc, dans l'enquête nationale périnatale, un peu plus de 50% des femmes qui allaitent de manière exclusive et on a quand même finalement 30% des femmes qui font un allaitement artificiel. Nous, notre rôle, ça va vraiment être de les accompagner en fonction vraiment de chaque nouveau-né et de chaque parent parce que tout le monde est différent et que ce soit la forme du sein de la patiente ou le bébé qui peut avoir un frais de langue, un rétrognatisme, ça peut être plein de choses qui font que l'allaitement ne se fait pas naturellement. Il y a des bébés qui vont téter de suite et d'autres qui vont avoir besoin de temps et d'accompagnement. C'est pour ça que parfois on est amené à donner des compléments à un enfant, à proposer d'autres solutions et ça peut nous amener du coup à prolonger un peu le séjour ensuite de couche parce qu'on veut vraiment être sûr que la maman sera à l'aise avec toute cette prise en charge et qu'elle rentrera chez elle en étant à l'aise et autonome avec son allaitement. Donc l'allaitement, finalement, il se met en place en plusieurs étapes. Donc dans les premiers jours, ça va être le colostrum, qui est riche en vitamines, en sels minéraux, en immunoglobuline. C'est quelque chose qui est donc très riche, qui suffit à nourrir l'enfant avec finalement peu de quantité. Et au-delà, à partir à peu près du troisième jour, on a la montée de lait qui commence à se faire par une modification du lait, donc plus riche en lactose et en graisse. Et ce lait, finalement, va après s'adapter de façon constante aux besoins de l'enfant. C'est pour ça que dans les premiers jours, en attendant la montée de lait, bah, des fois, on a des bébés qui peuvent avoir plus de mal à s'y mettre, à avoir un allaitement qui met un peu plus de temps à se lancer que d'autres. Et on est vraiment là pour accompagner les parents. On les accompagne aussi dans les différentes positions, parce qu'il n'y a pas qu'une seule position pour allaiter son enfant. Il y a des positions qui vont plus convenir à des patientes, même à leur bébé, ils vont mieux téter dans différentes positions. Donc l'idée, c'est vraiment d'être avec elles au mieux pour cette mise en place. Et on a sur Bordeaux donc le lactarium qui est implanté au niveau de l'hôpital des enfants. Et on a aussi un site sur Marmande, vraiment au cœur de la ville. Donc ici à Bordeaux, on aura une zone d'accueil avec des salles de consultation et aussi des salles d'allaitement et aussi une zone de laboratoire. Le lactarium de Marmande, c'est vraiment le seul endroit où le lait maternel est transformé sous forme lyophilisée, ce qui permet à ce qu'il soit conservé par la température ambiante pendant jusqu'à 18 mois. Le lactarium de Bordeaux, donc ça va être un lieu de collecte, de préparation, de traitement, de conservation et de délivrance du lait maternel. On peut en avoir un usage intérieur ou extérieur. Donc intérieur, ça va être une patiente qui va tirer son lait et il va être récupéré au lactarium pour être utilisé pour son bébé qui est hospitalisé, donc en réa pédiatrique ou en néonatologie, ou un usage extérieur où en fait les dames font un don de leur lait. Parce que oui, comme le don de sang, le don de moelle osseuse, le don de gamètes, le don de lait maternel se fait aussi. Et il est vraiment destiné à beaucoup de bébés, donc des bébés qui ont des pathologies spécifiques, qui ont besoin plus de lait maternel, des bébés, des grands prématurés. Voilà, c'est vraiment un usage pour des bébés vraiment vulnérables. Donc voilà, on est vraiment content de toutes les mamans qui peuvent donner leur lait. Et voilà. J'avais pas envie de dire.